Et bonjour tout le monde, c'est Tepsodo et nous voici pour jouer à Pride Complete de Anthony Naven. Et du coup, nous voici pour jouer à Pride Complete. Donc, le but du jeu est d'améliorer tout. Vous devez acheter pratiquement tout dans tout le jeu. Mais si tu veux acheter des choses, il te faut un magasin pour les acheter. Et voudrais-tu un magasin pour acheter un magasin, un menu de magasin pour 400 $? Bah non. Sinon, venez améliorer votre pouvoir de faire des décisions pour pouvoir activer cette option. Bon, bah apparemment, mon pouvoir de pouvoir faire des décisions, prendre des décisions par moi-même est trop bas, donc je viens dire oui. Oh, il me semblerait que tu n'aies pas d'argent. Ne t'inquiète pas, je vais te prêter 1000 dollars pour commencer. Prends en compte je vais ne vouloir de que je vais vouloir de retour. Je ne te fais pas confiance. Si nous t'es amélioré votre pouvoir de prise de décision. Bon bah oui. Magasin. Donc les premières choses. Nous allons acheter un chargeur, un preneur d'heure. Non, je voudrais déjà des boutons de menu. Ben, il n'y aura pas de jeu si il n'y a pas des boutons de menu de sorte, de type magasin. Tu devrais en acheter juste pour pouvoir jouer. Donc, oui. Je vais du coup acheter ma sauvegarde aussi. Oh, j'espère aussi que tu comptes sauvegarder tes jeux. Cela va requérir d'obtenir un dossier de sauvegarde. Bon, bah, 300 dollars. Oh, et j'espère aussi que. Ah, et première chose, nous allons avoir besoin d'un preloader si tu veux charger ce jeu Flash. Du chargement. Honnête. Enfin, honnêtement. Oui, c'est non. C'est très long. Chargé. On peut y jouer. Donc voilà, on a notre petit jeu. On va pouvoir améliorer les graphismes du jeu, sauf que ça va coûter assez cher. Nous sommes. Ouh, j'étais un tout petit peu trop bas dans mes estimations. Donc, tiens, je vous laisse deviner à qui appartiennent ces vidéos. Surtout de 50 cm inside. Bon, voilà, du coup, on est dit, donc c'est bon. Allez, donc là, on a nos petits crédits. Les concepts est basés, inspirés par John Connie et son jeu Achievement Unlock. Continue d'atteindre des étoiles, petit éléphant. Bon, c'est un peu triste. Mais bon, il y a aussi nos boutons plus de jeu qui t'amènent à sans doute à Morgate. On peut effacer la sauvegarde. Ce qui fait que personne ne nous blâmera sauf lui. Parce qu'il va être horriblement désappointé en nous. Mais on va quand même le faire. Mais malheureusement, quand ça s'appelle, ça donne pas de. Quand ça s'appelle. De succès en plus. Donc, voilà. Voilà. Touc, touc. Et voilà. Au menu. Et on va jouer au jeu. Donc, quand même. On doit bouger notre vaisseau avec A et D. Tirer avec espace. Il faut détruire tous les ennemis pour passer le niveau. On peut attraper des pièces qui sont lâchées par des ennemis. Oui, et il n'y a aucune pénalité pour en perdant le niveau. Si tu penses que le jeu ressemble à de la merde, tu devrais essayer d'améliorer les graphismes du jeu. Oh, c'est pas aussi mauvais. Regarde. C'est tout mignon. C'est tout mignon. Et ça a pas de son. Mais bon, au moins on gagne 432 dollars à chaque fois, donc c'est bien quand même. Hein, Bref, c'est assez catastrophique. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de. C'est horrible. Mais bon. Vague complétée. Le numéro du niveau a été amélioré.
presse espace pour continuer. Et je sais pas qui a fait de l'écran, mais c'est une catastrophe. On a Pac-Man et Mew, J plus B et Gan, notre meilleur ami, Best Fucking Friend, Zoxo. D'accord, compris. Et du coup, on peut designer son propre vaisseau. On peut créer son propre vaisseau avec un pistonnet, un qu'on s'appelle un aimant que l'on va prendre parce qu'il est super important, de l'électricité qui va faire beaucoup de dégâts, donc on le prend aussi. Et de la vitesse aussi. Pour l'instant, on va surtout prendre de quoi, quand ça s'appelle faciliter l'obtention d'argent. C'est ça le plus important dans le jeu. C'est faciliter l'obtention d'argent pour ensuite prendre des améliorations. Bon, bah là, ça veut dire qu'il y en a un qui est passé. Donc, la vague ne sera point complétée. Des ennemis ont réussi à s'échapper. Triste vie. Et du coup, on va aussi prendre ceci. Ce qui est sans doute le truc le plus important en fait, plus que l'éclair. Ouais, plus que l'éclair que je vais vendre. C'est, on va prendre le maximum qu'on pourra de missiles. Mais bon, du coup, on va quand même améliorer un petit peu notre, comment ça s'appelle, nos trucs, parce que bon, c'est quand même moche. Donc, qu'est-ce qu'on pourra prendre? Voilà, un logo pour le titre. Ah, mais à quel jeu sommes-nous même en train de jouer? Achète un logo pour le jeu, comme ça tu ne te sentiras pas aussi pauvre et mal aimé. Ok. Donc, maintenant, je vais avoir un titre. Ouais, oh, et puis aussi des succès, tiens. Est-ce que jouer à ce jeu te fait sentir vide? Tu as probablement besoin d'une sorte d'achat de système d'achat de succès pour faire que en sorte que ta vie mérite le coup. Donc on va prendre ça. Et voilà. Donc maintenant on a un titre, si on puis dire. Et on a des succès. Vague 1 complétée, nous avoir regardé les achievements, la vague 20, avoir un super vaisseau, Spangly, Uprat complete, bien achievement, oui, même ça c'est même le titre de l'achievement, c'est quelque chose. Allez, on va aller au deuxième niveau, et du coup voilà, tout le principe, c'est tu vas améliorer un peu tout. Et voilà. Donc le niveau a échoué, mais c'est pas grave. En fait, de mon côté, moi, je vais sans arrêt faire des missiles à gogo pour augmenter ma capacité de tir, augmenter ainsi comment ça s'appelle, l'aimant pour avoir plus facilement les pièces, et puis après améliorer petit à petit. Donc je pense que je vais vous laisser et on se reverra une fois que j'aurai un peu plus de d'argent pour faire des améliorations. Enfin tu me diras, je pourrais déjà là, en dépenser maintenant. Donc qu'est-ce qu'on voudrait? Enfin non, au magasin. Un texte de copyright? Mais à qui est-ce que ce jeu appartient? Je ne t'ai pas demandé, non, je ne t'ai pas entendu demander. Allez, régale-moi avec ce Negan et trouve. Donc, hop, on a le texte de copyright, 1 sur 3. Et donc, ça appartient à Seamore Game. Bon. Encore quelqu'un qui a dessiné un truc sur le machin, pas très important du coup. On va aussi peut-être mettre nos logos à l'intro de Harbor Game.
acheter notre dernière game. Tink tonk tink. Sauf que il n'y a pas de son. Donc c'est tout triste. Et bon, du coup, comme il n'y a pas de son, j'ai sûrement besoin de ça, d'un bouton pour buter le son. Donc, tu as acheté le son. Bah, quel meilleur moyen de ne célébrer qu'en achetant un bouton mute? Hop! Oh! Le peut rendre la musique en faisant on. Oh, c'est génial! Ha! En plus, c'est une musique qu'on ne devrait pas avoir. Ah, c'est marrant comme glitch. Ah, c'est génial. Normalement, je pense que vous allez l'entendre quand on va débloquer ça. C'est quelque chose. Et on va aussi mettre une image de background pour le menu. Parce que c'est un peu ennuyeux. Donc, on va mettre une petite image de fond d'écran pour l'action. Hop. Voilà. Maintenant, on a un pot de bois, ce qui va très bien avec ceci. Mais en fait, là, cette musique est un spoil en soi, ce qui est un peu rigolo. Mais bon, on a à nous traiter comme, comment dire, un super pouvoir qu'on a pendant un temps limité. Hein. C'est comme ça qu'on va nous traiter. Donc, on a entendu une superbe musique, mais normalement on doit commencer comme ça, parce que le son du silence, bon allez, faisons sonner d'or pour. Ah, mais c'est aussi faible que ça? Vraiment? Ah bah, elle me rappelait plus, tiens. Ça doit être dans les Breath Complete 2, du coup, qu'ils te mettent des machins. Hein? Bon bah du coup on a la barre de progression qui est un indicateur pour dire à quel point j'ai amélioré. Et pour plus de détails il faudrait que je l'améliore. Et pour finir le jeu il va falloir que je l'améliore complètement. C'est assez méta n'est-ce pas? Et donc du coup la barre de progression à 29%. Et du coup on va améliorer quand même les boutons d'upgrade parce qu'ils sont pas très lisses. Ah voilà là c'est un peu mieux. Mais bon, nous, ça nous suffit pas. Voilà, ça c'est quand même un peu mieux. Mais si on faisait ça. Ah, ben voilà, là maintenant il y a un style. Allez, on va continuer le petit jeu. Voilà, c'est dans Breath Complete 2 où cette fois tu vas pas commencer avec la musique comme ça. Ça va être beaucoup plus. Quand ça s'appelle improvisé. Je pense qu'il n'y a pas de mots, de meilleurs mots. Et donc du coup, on va ajouter le timer du jeu pour savoir pendant combien de temps j'ai joué à jouer. 561 secondes. C'est parti. Bon, allez, hop. Je sais pas non plus d'où elle vient cette musique qu'il a créée, mais je l'adore. Ça fait vraiment une très bonne musique 8 bits. Génial. Bon, on va continuer de mettre plein de missiles, toujours plus de missiles. On fait jamais de mal en ayant trop de missiles. On va me dire qu'on n'a jamais pas qu'on n'a jamais trop de missiles. Voilà, plus de missiles, plus de missiles. Bah du coup, je me rappelle plus que dans celui-là, en fait, l'option d'amélioration était aussi limitée. Mais bon, heureusement, il va y avoir de deux. Et de deux, c'est un plaisir. Allez, on va peut-être acheter plus de choses. Non, notre amélioration est à 45%. Et on doit améliorer nos niveaux aussi. Donc ça aussi, ça compte
en Sakundan-dan. Donc. Donc, les niveaux échoués, c'est pas trop grave. On continue. Il devait y avoir un RPG ou un jeu de plateforme qui utilisait cette musique. Parce qu'il est tellement bien. Ah bah les missiles ont réussi à en avoir les statons. Parce que je ne me souviens pas de l'avoir entendu seulement dans Jonah. On prend nos derniers missiles et du coup on continue. Hop là. Bon, second en sort des missiles. Allons-y. Second niveau. Bon, on va se mettre là où il y a le plus de monde pour avoir le plus d'argent. Ah, bah apparemment, j'ai les missiles. On fait leur boulot. Très bien. On va continuer. On va bientôt passer la barre des 1000 secondes. Enfin, bientôt. Dans environ 200 secondes. Commence à me dire que Nekner était peut-être plus puissant. Mais bon. Leur travail. Plus de missiles. Et puis on va peut-être améliorer quelques petits trucs ici, non? Tiens, on va améliorer l'image derrière. Bon, non, maintenant on a remplacé les planches avec un carton. Bon, c'est pas terrible. Bon, on va au moins améliorer le texte du copyright. Voilà, là ça veut dire quelque chose. Là, maintenant on commence à respecter le matériel. Dire Armor Game, mais créé à la peinture, enfin à la main. On se rend pour qui? Absolu Flash, usine à gaz. Qu'est-ce que j'ai dit bien? Enfin, usine à gaz, un peu moins. Usine à gaz, c'était un peu de, qu'on s'appelle, de repère, où c'était là où t'apprenais un peu tes. Des grosses blagues bien lourdes et bien grasses. Par exemple, tu avais un jeu de chasse qui avait été parodié. Vous savez, c'est le jeu du chasseur où vous pouvez, où vous avez vu de dessus, où vous avez un nombre limité de munitions. Et quand vous avancez, vous avez normalement c'est un caliban qui arrive et le caliban qui vous attrape, bah il vous mange. Ça a aussi des versions avec un ours ou dans l'usine à gaz. La version, c'est simple, c'est tu te balades dans la forêt, il y a des nudistes. Si les nudistes t'attrapent, eh bien, ils t'ont. Voilà. Donc, c'est très joyeux, c'est très mignon. C'est l'usine à gaz. C'est un classique français. Allez. Ah, maintenant, on a même la date. Si c'est pas merveilleux. Bon, par contre, les missiles, faites votre travail. Ça paraît un peu trop résistant encore. Ouais, et ils vont pas l'attendre. Si, parfait.
Vague numéro 12. C'est parti mon kiki, on continue d'améliorer ce qui est améliorable. Hop. Bon, enfin, ce petit jeu-là, il est assez court, de bras complètes de premier. Le second ne sera beaucoup moins. Disons que, comme ils le disent dans le résumé, il va y avoir beaucoup plus d'améliorations. Et quand on dit beaucoup plus, il y en a beaucoup plus. Et je dirais même qu'il y a des améliorations qui améliorent autre chose que le jeu. Et ça, c'est un mystère que vous verrez en jouant au second jeu. C'est rien que pour vous impacter encore un petit peu, si vous aimez jouer, c'est que dans une boîte complète 2, tout simplement, il y a vraiment plusieurs grandes pages d'amélioration, contrairement à celui-là où il n'y a qu'une page. Tiens, on a 14 000, donc on va améliorer nos logos, parce que quand même, on veut quand même jouer à quelque chose qui ressemble à quelque chose, justement. Tout de même. Et donc, on continue. Ah, par contre, là, les missiles, vous n'êtes pas efficient. Vous attaquez pas des personnes en bas. C'est embêtant. Donc, je vais vous mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On va voir si ça fait quelque chose. Allez, hop. Ah, ils vont quand même s'échapper, mais j'ai récupéré pas mal d'argent. Et comme on a vu, une petite amélioration peut faire la différence. Une amélioration et deux, ça fait le café. Voilà. Ça va pas être suffisant. Non, ça va pas être suffisant. Mais déjà, ça va bien nettoyer. Voilà, ça. Oh, c'était presque suffisant, n'empêche. Enfin, du coup. On va améliorer quand même nos petits tirs aussi. Crois qu'on peut mettre plusieurs, si vous le souhaitez, plusieurs aimants pour faciliter l'attraction de l'or. Mais bon, c'est clairement pas quelque chose d'ultime sur le long terme. Un seul suffit largement. On va continuer d'améliorer tout ça et d'atteindre petit à petit la vague 20. Voilà, niveau 15. Et en fait, comme vous le voyez, à chaque fois, de chaque niveau, en fait, c'est un test du DPS pour vous améliorer. Et puis, ça avait aussi de, quand ça peine, du coup, de concept d'amélioration chez des ennemis pour obtenir des améliorations à son plus au plus simple.
Bam, niveau 4. Ça va envoyer du pâté. Allez, niveau 17. Et après, on va améliorer un petit peu plus du reste. Parce que bon. Notamment, je pense qu'on va améliorer les graphismes du jeu. Parce que bon, c'est beau, c'est mignon, du pixel. Mais bon, on peut faire quelque chose de mieux, n'est-ce pas? Surtout qu'en plus, là, on a débloqué tous les types d'ennemis. Donc, vous n'allez rien manquer. Donc, améliorons-le. Donc là déjà on a quelque chose d'un peu plus sympathique. On va aussi finir d'améliorer le logo. Oui, allez, ça me fait 18 mines. Voilà. Non, c'est pas terminé, il y a la puce. Et bien voilà. Bon, je finis d'améliorer l'un de ceux. Et maintenant, nouvelle musique. Bon, du coup, on va encore bien améliorer nos trucs. Paf. Et voilà. Bon, bah, je pense que c'est déjà quelque chose de bien, mais on peut encore améliorer. Donc faisons. Ah là, ça ressemble à bien quelque chose. Puis je pense qu'on peut aussi améliorer parce que ça, le carton, bon, c'est quelque chose. Ah voilà, ça y est, là, on a pu engager un architecte, il a mis un peu de ciment. Ah maintenant, là, on vient sur de l'arcade. Et maintenant, on récupère vraiment de l'or. Et non plus des cartons de je ne sais quoi. Et on gagne de niveau. Et donc là, on est à 102%. Mais on n'est pas encore au maximum. Donc on va continuer, on va nettoyer lentement mais sûrement. Et voilà. Maintenant on est au niveau 20 sur 20. Pense qu'on va encore améliorer les graphismes une dernière fois. Nos logos aussi. Et puis l'image de derrière. Bon déjà là ça pète un peu plus. Allez, on va avoir de super magasins. Enfin, de super vaisseaux. Ah, faut peut-être tout évoluer au niveau 5, une bêtise du genre. Comme vous le voyez, là maintenant, la musique est épique. Fantastique, niveau vaincu, niveau 20 complet. Et maintenant, il faut upgrade complete. Donc, on a acheté tout ce qu'il fallait au magasin, sauf ce truc-là, qui est une amélioration mystère qu'on ne peut acheter qu'une fois qu'on a acheté et tout amélioré à fond. Donc, on prend ça. Et qu'est-ce qu'on a donc?
Mystère. Mais game over. Qu'est-ce que c'est? Et par là, je ne veux. Et qu'est-ce que je veux dire par game over? Ah, je t'entends pleurer. Est-ce que tu as gagné ou est-ce que tu as perdu? Ah, je suppose que c'est à toi de décider. Peut-être que la prochaine fois que tu joueras au jeu, eh ben, tu le noteras mieux sur. Enfin, plus sur à quel point tu en as aimé et moins au. Comment dire? Et moins sur la complexité de son système d'amélioration. La fin. Et donc, si tu veux améliorer ton game over standard dans un écran de game over magnifique, cliquez ici. Par contre, ça coûte 15 639 dollars. Et si je veux tout recommencer de nouveau et nettoyer la sauvegarde, je clique ici. Et si je veux retourner au magasin, tout simplement ici. Mais bon, j'ai de l'argent pour alors. La bonne fin. Wouhou! C'est moi, et je rock. Et cet ennemi, Inksus. J'ai des merveilleuses améliorations. Je suis le meilleur gagnant que j'ai jamais vu. Félicitations pour toujours. Et voilà. Et avec une progression de 110%. Et voilà, c'est tout. Et donc, je vous dis salutations à tous. À la prochaine.